Coucou à tous, je reviens de ma boîte aux lettres, je viens d'enregistrer tous les courriers pour Maëlle. Vous avez encore été nombreuses. On est arrivé à 156. Donc là, je pense que c'est le 157 vu la taille du colis. Je me suis dit, je vais l'ouvrir en vidéo et puis je vais voir ce qu'il y a dedans. Parce que je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour Maëlle. Ah si, et Maëlle. Donc, je vais quand même l'ouvrir et puis je mettrai la carte dans la boîte à Maëlle et ainsi de suite. Donc là, ça nous vient de Sylviane. Mais je vois que tu es folle parce que les frais d'envoi du colis, j'hallucine. Donc, je vais tout sortir. Je vois déjà des choses. Sylviane va avoir des fessées. Franchement, franchement, franchement. Oh, c'est, je vais mettre des clics, je vais devoir sévir. Je vais mettre des clics, des clics, des clics. Donc voilà, il n'y a plus rien. Donc Sylviane, hop, on va enregistrer. Je vais chercher la carte. Franchement, donc là, c'est pour moi. Là, c'est pour Margot. Je regarde du coup, puisqu'il y avait pour Maëlle. Oh, c'est peut-être dedans. Attendez. Pour Maëlle. Donc, hop, je vais le mettre dans sa boîte. Et je vais te donner ton numéro. C'est le 157, Sylviane. Hop, c'est bon. C'est fait. Je vais marquer quand même Sylviane parce que sinon, je vais oublier quand je vais le présenter. Hop. Et voilà. Donc, et forcément, je marque Sylviane sur mon cahier. Voilà. Donc, on y va. Là, j'ai une carte pour moi. Donc, j'ouvre ma carte. Oh, j'adore. Déjà, vu que j'ouvre, je vois déjà les couleurs. J'adore. Moi, j'ai sorti les fleurs. Hein. On est au printemps. Hop. Alors, si tu veux bien sortir. J'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Il y a mon mot d'amour derrière. Donc là, tu es simplement génial. Oh, merci. Alors là, on a la carte comme ceci avec des plumes. J'adore. Regardez-moi ça. Et elle s'ouvre. Alors forcément, j'enlève le passant. J'ai mon mot d'amour derrière. Je vais le lire forcément. Et à l'intérieur, vous voyez, elle a fait la petite plume par rapport au devant de sa carte. J'adore. Je trouve que c'est très joli. Et là, elle a fait son passant en calque. Enfin, on peut dire papier vélum ou calque. Hein, c'est la même chose. Sauf que le vélum est imprimé. Donc là, on va dire que c'est du calque. Alors, est-ce que je vais réussir à la remettre sans l'abîmer? Oui. Donc, merci Sylviane. Je vais lire ton petit mot tout de suite. Parce que. Ah ouais! J'ai un grand mot. Ce petit colis. Oui, c'est ça, ouais. Pour ça, dedans, il y a des petites bricoles. À chaque fois, tu marques petite. Hein. Petit colis, petite bricole. Je ne me sers plus. Merci. Personne très agréable, souriante, et j'aime ta façon de nous faire ces vidéos. Moi aussi, hein, on peut dire que le scrap, c'est une thérapie, on s'évade. Ah ouais. Donc je pense que oui, ça t'aide à te remonter le moral. Et si je peux y contribuer, alors c'est avec plaisir, Sylviane. Non, tu ne m'ennuies pas du tout avec ton discours. Au contraire, j'aime bien lire les courriers des filles et d'en savoir un petit peu plus sur chacune. Gros bisous, Sylviane. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Ça fait plaisir de lire des messages d'amour. Donc là, on a la carte pour Margot, toujours décorée. Hop. Donc on y va. Je suis en train de me demander si c'est les fleurs, si tu les. Ah oui, c'est toi qui les as faites. Et c'est pas bête ça. Si pas bête. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup.
T'as mis de la pâte de structure derrière avec des paillettes. C'est magnifique. Regardez. Derrière, je ne sais pas si on va voir bien les paillettes à l'écran, mais c'est juste magnifique avec des petits chats. Trop bien. Regardez-moi ça. J'adore des tamponnages comme ça. J'adore. C'est trop beau. Oh, c'est Mimi. Regardez. Hop. Gros bisous. Avec des petits chats qui sortent. Une carte pop-up. Trop bien. Non, merci. Hop, je mets sur le côté, je mets très forcément dans sa boîte. Donc là, elle a donné tous des papiers 30-30. Juste magnifique. Hop, comme ça, ici. Trop bien. Avec le derrière, c'est orange. Ici, avec des petites poupettes. Très printanier, j'adore. Avec des fleurs derrière. Elle a donné des papillons de ma jeunesse. Trop joli. Avec des tons très pastels. J'aime beaucoup les petites fleurs ici. Et des petits gâteaux. Voilà. Ici, des petits papillons aussi. On pourrait dire même que c'est des libellules. Voilà. Des petits pois roses. Oh, beau. Ah, j'adore. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Avec la petite poupette. Ça fait un peu très vintage. Si. Oh, c'est trop chou. Des petits lapinous. Et la petite poupette ici. Trop chou. Ils sont très beaux. Là, sur la Saint-Valentin aussi, ça peut faire de très jolis fonds. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Franchement, tu m'as gâtée là, Sylviane, et je sens que c'est pas fini. Donc, franchement, ils sont trop beaux. Ah ouais. Regardez-moi ça. Ils sont trop, trop beaux. Je vais vous donner la marque au cas où ça vous intéresserait. Alors, c'est du Prima Marketing Celebrate. Je vous le mets comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, vous faites arrêt sur image, les filles. Très, très joli. Je vous mets un petit peu plus près. Il est magnifique. C'est trop beau. En plus, ça fait un peu du papier glacé. Franchement, il est trop beau. Là, j'adore. Tu n'aurais pas dû faire tout ça, hein. Dis donc. T'envoyais des clics. Des clics, des clics. Ici. Sur le thème de la mer. Trop bien. Ici, hop, les petites poupettes ici. Derrière aussi. Il est trop beau. J'adore les tons pastels comme ça. C'est magnifique. Là, c'est une feuille toga. Hop, trop bien pour des anniversaires aussi. Je sens que je vais me régaler. Ici. Alors là, c'est cette marque-là. Voya. Oh bien, des roses. Ici, c'est rouge de Garance. Trop, trop bien. Je vous mets quand même à chaque fois parce que je me dis si ça peut intéresser les filles de chercher après ces blocs de papier. Trop bien. Ici, hop. Franchement, tu m'as gâtée. Enfin bref, je ne vais pas arrêter de me le répéter, mais là, je t'aime à la folie. Oh là là, c'est magnifique. C'est trop bien. En plus, c'est marqué en français. Et là, des grosses fleurs. Voilà. Avec des petites poupettes derrière. Et ici, un fond comme ça, avec des petits pois. Et derrière, avec des petits papillons. Donc, franchement, ouais. J'ai de quoi faire là, Sylviane. T'abuses, hein? T'abuses de m'envoyer tout ça, mais c'est gentil, hein? Mais à force, on ne sait plus quoi dire. Donc, du coup, j'ai un petit emballage cadeau ici. Donc, je vais regarder. Oh, trop bien! Oh, c'est magnifique! Des petits sequins comme ça sur le thème de la mer, c'est des petits poissons. Trop mignon! Ah, trop bien, je vais les laisser de côté parce que
J'ai mon album à terminer, je vais en coller dedans. Ici, on a du washi autocollant en tissu avec des petites fleurs. Et ici, on a des petites fleurs comme ça en sans fimo mais dur, hein, c'est des cannes qui ont déjà été coupées pour coller un peu partout, que ça soit sur la fimo, que ce soit sur les cartes, ça passe aussi. Donc des fois, des choses en fimo, ça aide pour le scrap. Ensuite, un deuxième emballage. Ça fait des folies. Oh là 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 là! Ça, j'adore. En plus, tout dans des petites pochettes séparées. Elle a mis tout des perles d'eau. Enfin, des gouttes de pluie, on appelle ça. Mais moi, je dis des gouttes d'eau à chaque fois. Voilà, trop bien. Toutes les couleurs, j'adore. Il y en a même des dorés et des argentés. Ça, pour Noël, avec du rose, du rouge, du vert, je vais m'éclater. Il y a même du un peu bordeaux ici. Trop bien. Et même du marron. Sylviane, je vais te cliquer. Ensuite, on a une pochette comme ça avec tout ce qui est tag shabby. J'adore. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors, je vais ouvrir. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce que Margot est à la sieste derrière. J'ai bien peur que je vais la réveiller dès qu'elle entend frucher. Elle a mis toutes des petites étiquettes comme ça. Trop bien. Ça, même pour faire des cartes avec des sentiments, tout ça dessus. Là, ici, très chabi. J'aime beaucoup. C'est nickel. Elle est réveillée. On va l'entendre dans pas longtemps. Hop. Trop bien. J'adore. Ici, pareil, des petits blocs de papier toga. Des petits blocs toga, toujours de papier. Oh bien, franchement, ça c'est toutes des choses que je n'avais pas, tu vois. Donc je me dis ben merci, merci, merci. Ça fait toujours plaisir. Ici, pareil, on a des blocs tag baby boy. Trop, trop bien. Enfin, vous voyez pas si je monte pas à l'écran ici. Trop bien. Je sens que je vais m'amuser moi et tout ça. Ça me donne des idées. Des fois, les courriers des copines, ça m'inspire un truc de malade. Et là, mini bloc toga. Aussi sur. Oh, c'est trop bien aussi, ça. C'est nickel avec toutes les images comme ça, après découper un petit bloc-notes. Mais ça, pour mettre dans des albums, pour glisser dans des petites pochettes, c'est nickel. Bah, je te remercie. Hein, parce que bah, je suis encore gâtée pourrie, moi, c'est pas possible. Ici, on a une autre pochette comme ça. Donc, je vais l'ouvrir maintenant qu'elle est réveillée. Bon, bah, c'est pas grave pour le bruit. Hop. Non, trop bien. Donc, j'ai des tampons en bois comme ça, avec des petits pieds. Franchement, c'est Baby Boy. C'est l'édition limitée. Je vous mets la marque au cas où. Non, vous n'allez pas voir. Vous voyez? Vous voyez pas? Trop bien. Ici, pareil, la petite main, hop, comme ça, et le petit pied. Et ici, oh, c'est bien ça, c'est magnifique. Bah ça, je pense que je vais vous le faire en tuto, les filles, pour la fête des mères. Voilà. Je pense que vous le retrouverez aussi sur une autre chaîne, parce que souvent, quand on monte des choses, je vais faire ça. On le retrouve quelques jours après. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai ici des petites cartes comme ça. Manque d'inspiration. On s'inspire avec les colis des filles. Ici, des petites cartes. Trop bien. Et il y a même les mini enveloppes. Trop mimi. Et là, pareil. Des petites cartes comme ça avec les enveloppes, les pochettes pour glisser dedans. Merci Sylviane. Et c'est pas fini. Hop, j'ai encore une pochette comme ça. La pochette, ça va être dans mon bac de recyclage vintage. Et là, oh, t'abuses, mais t'abuses.
Des pochoirs, ils sont juste magnifiques. Ici, pareil, il est trop beau. Des petits, je les avais pas trouvés en plus ceux-là. Des petits stickers comme ça sur le thème bébé. La petite bannière aussi ici. Trop joli. Marqué girl. Trop bien. Trop bien. Mais je te remercie. Exemple que tu peux faire avec tampon. D'accord. Alors. Oh, elle m'a mis la feuille de tampon. Enfin, la feuille. Le. Oh, c'est trop bien. C'est trop chou. Ouais. T'abuses, Sylviane. Là. Avec des mots en français, souvenirs, famille, photo, histoire, moment partagé. C'est trop bien. Elle me dit, regarde ce que tu peux faire avec les tampons. Hop, elle m'a envoyé des feuilles de tamponnage. Trop bien. Oui, c'est ça, tu les scannes. Hein, et puis hop, t'en fais plein sur du papier imprimante. C'est juste magnifique. Mais t'es une coquine, t'aurais dû le garder pour toi. Petite vilaine. Donc du coup, tu me dis, il y en a une autre. Oh là là, coucou, salut, ça va. Bonjour, hello. Trop bien. Franchement, merci. Merci du fond du cœur, là. Et on a tous les tamponnages aussi sur le papier. Tu m'as pourri gâté. Franchement... avec Hello, etc. Trop bien. Merci Sylviane. Et puis ça sert toujours les mots. Je vais forcément les laisser attacher. Ça, bah, du coup, je vais les ranger dans mes pochettes derrière sentiments. Je suis gâtée pour eux. Et là, oh là 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 là. Qui coquine. J'ai une coquine. J'ai plein d'œufs. Et ça... Oh, c'est trop bien. Tu vas rire parce que, en fait, ça, j'en ai ici. Je ne sais plus qui me l'avait envoyé. Et à chaque fois, je n'ose pas l'utiliser parce que j'ai, peut-être un mètre en tout de petites... Et à chaque fois, je n'ose pas l'utiliser. Et bien, du coup, j'en ai eu là. C'est pas tout à fait les mêmes. Elles sont un petit peu moins brillantes. Elles sont, du coup, plus nacrées en blanc. Elles sont très jolies, vous voyez. Très. Bah, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Bah, attends, c'est pas fini, hein. Ah, parce qu'elle a tout accroché comme ça. Elle m'a envoyé plein de petits rubans avec des petits pingouins, des petits hiboux, des petites fleurs. Très jolies. Et là, c'est marqué quoi? Esprit de famille. Oui, là, ici. Ça fait très vintage aussi. J'adore. Franchement, tu m'as gâté pourri. Là, des fleurs. Elles sont beaux, tes rubans. Ils sont magnifiques. J'adore. Et ben, du coup, je vais les ranger avec les rubans que j'avais reçus aussi. Franchement, les filles, à force, je sais plus quoi dire. Tellement que... Enfin, voilà. Je suis scotchée à chaque fois... On ne sait plus quoi dire. Voilà, j'en reçois tellement que je me dis, oui, ça fait plaisir. Hein. Oui, ça fait, ben, forcément, ça peut faire que plaisir. Mais je me dis, qu'est-ce que... Ah ouais, elle est là, elle est réveillée. Donc, je vais aller la voir. Je me dis, ouah, c'est un truc de malade. Merci du fond du cœur, Sylviane. Ben, du coup, je vais ranger tout ça. Hein. On reçoit, on range. Et moi, ça m'inspire énormément. Enfin, voilà. Quoi. Merci du fond du cœur, Sylviane. Je te fais des gros bisous. J'espère que les filles, bah, du coup, vous en avez pris plein les yeux. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Mais franchement, ça fait super plaisir. Puis tout ça, enfin, voilà. Quoi. Je sais que c'est des choses que je vais utiliser. Tout me plaît. Là, t'as tapé fort. T'as tapé très, très fort. Donc, je te remercie, je te fais des gros bisous, Sylviane. J'espère que les filles, vous avez passé un bon moment. Margot, j'arrive. Gardez-vous. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.